à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais bien évoquer avec vous sont trois choses. Les sondages, on est déjà quand même dans une période préélectorale présidentielle pour 2027. On vous prépare, hein. C'est un peu, vous savez, comme un plat qui va mijoter, il faut bien le préparer, on va bien le faire cuire, et il sera à point au bon moment, hein, c'est-à-dire vers mai 2027. Le deuxième point, c'est évidemment le terrorisme qui se développe à grande vitesse ici en France, mais qui n'a jamais cessé quand même, hein, parce que là, on fait semblant de découvrir. Mais je vous signale que ça existe depuis des années, hein. Les premiers relents terroristes graves ont commencé quand même en 1980 en France et même avant avec le fameux attentat du drugstore Saint-Germain. Mais bon, on a tous oublié, je suppose. Et troisième point, en fait, c'est Macron est bien socialiste. D'ailleurs, je vais commencer par ce point-là parce que Macron, il est socialiste et, comment dire, c'est quelqu'un qui ne le montre pas directement parce qu'il a un double langage. Mais on a un exemple concret, c'est lorsqu'il parle, lorsqu'il fait des discours officiels, vous pouvez les écouter et les regarder, il est toujours dans la droite ligne du Parti socialiste. Hein, les mots, les expressions sont les mêmes. Alors je ne vais pas ici disséquer tout ça parce qu'il suffit d'aller sur un site super bien fait qui s'appelle élysée.fr et vous aurez tous ces discours, soit en vidéo, soit écrit, soit les deux, comme ça vous serez tranquille. Alors mon premier point qui me semble important, c'est on est déjà en 2027. Eh oui, alors qu'est-ce qu'on nous prépare? Alors actuellement, on nous a préparé, évidemment, comme d'habitude, le grand danger du fascisme à la française, c'est-à-dire Marine Le Pen, hein, faut dire son nom, le Rassemblement National qui est de plus en plus, qui monte, qui monte, qui monte tout le temps. D'ailleurs, rappelez-vous qu'avant chaque élection, c'est fou ce qui monte. Il monte toujours. Et puis au moment de l'élection, paf, il n'y a plus personne, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut préparer la foule, hein, des électeurs, à, disons, qui pour battre Marine? Et là, on a trouvé, on hésite encore entre deux candidats. Un qui a prouvé qu'il était très très mauvais comme Premier ministre, c'est Édouard Philippe, qui est d'ailleurs très mauvais en général, mais c'est pas grave, on lui a donné une aura, on a dit celui-là, c'est notre candidat, c'est le gars qui peut battre Marine, donc allez hop, on y va, on prend le marteau-piqueur, et on envoie la sauce. Deuxième candidat, lui, qui est plus jeune, moins connu, qui vient là à toute berzingue, comme on dit, hein, c'est Gabriel Attal. Qu'est-ce qu'il a fait pour être candidat à la présidentielle? Ben, comme son président, rien. Ouais. Mais c'est pas grave, il a une image de marque. On lui forge actuellement son image de Gabriel Attal, le futur candidat de Renaissance, le gars qui peut poursuivre la politique de Macron. Alors on s'en fout que cette politique ait complètement échoué, on s'en fout que la France soit complètement détruite, c'est pas grave, mais c'est le gars qui peut continuer la politique de Macron. C'est dire. Remarquez, je prends un autre exemple, la ville de Paris, où les Parisiens ont quand même réélu Madame Hidalgo, après deux sessions de Delannoy qui avaient laissé Paris endetté comme jamais, une session de la reine-mère, un autre drame de Paris, Madame Hidalgo, et ils en ont demandé encore une. Alors on se dit, bon, quand on arrive à ce point-là, disons en politique, hein, on ne peut même plus appeler une ambulance parce qu'elle ne pourra même pas passer, le chemin il est embourbé. Donc on a ça. Alors, on nous prépare bien que ceci, cela. Et quand vous lisez les sondages, j'adore lire les sondages, hein, parce qu'on ne m'a jamais sondé, mais franchement, j'adore. Hein. Alors, vous prenez le sondage quand même, je cite du Figaro Magazine, c'est le plus important. Alors, vous avez en premier, c'est Édouard Philippe, en second, c'est Madame Le Pen, ensuite Attal, Bardella, Le Maire. Ah, je n'ai pas parlé de Le Maire, mais Le Maire peut être un candidat intéressant pour Macron, parce que Le Maire, il ne lui fera pas de problème. Hein. Ce sera son candidat et il fera ce que l'autre lui dira. Donc c'est pas mal ça. Donc c'est le troisième larron qui peut surgir au dernier moment. Ensuite, vous avez Darmanin. Alors là, je ne comprends même pas qu'un gars comme ça puisse être sixième d'un sondage. Marion Maréchal qui est bien montée. Olivier Véran, c'est pareil. Il est dans les 10 premiers. Pff, on ne sait pas. On se demande ce qui se passe. Et d'un coup, vous avez. D'un coup, hein, parce qu'il n'était pas là avant, Xavier Bertrand, et enfin le communiste Roussel, on se demande ce qu'il fout là aussi. Vous voyez, c'est vraiment très simple, hein, les sondages. Vous classez, vous déclassez, vous faites ce que vous voulez. Alors si c'est vrai, c'est-à-dire si vraiment c'est les réponses des gens qu'on a sondés sont
ce sont ces réponses-là, il y a matière quand même à avoir peur. Hein, parce que c'est très grave, parce qu'on s'aperçoit qu'il faut être très mauvais pour avoir une chance. Donc Édouard Philippe a donc une chance, puisqu'il est très mauvais. Alors ensuite, comme le fait toujours la gauche, donc ça c'est le deuxième point, comme le fait toujours la gauche, ils inventent de nouvelles appellations. Alors la dernière, je l'aime bien, hein, elle est simple, l'ultra-droite. Parce qu'avant, on avait les réactionnaires, après on a eu les fascistes, après on a eu l'extrême droite, ça a duré longtemps, on a eu les populistes, ça a duré depuis Macron, là ça s'est bien parti, c'était bien parti, mais maintenant on a trouvé d'un coup, paf, boum, bing, ding, ding, l'ultra-droite. Alors là, c'est terrible. C'est qui l'ultra-droite, on ne sait pas trop, mais attention, c'est très, très dangereux. D'accord. On a vu d'ailleurs qu'à l'ultra-droite, j'arrive même plus à le dire, on a vu qu'ils ne commettaient pas d'attentats, on ne sait pas pourquoi, ils ne jouaient pas du couteau, pas bien, ils n'avaient pas finalement trop de, comment ils appellent ça, de déséquilibré, hein, parce que vous avez vu que dès qu'il y a un attentat, un truc en France, c'est un déséquilibré, c'est un gars qui était sous contrôle psychiatrique, en général il est fichier S aussi parce que ça va ensemble, parfois il est même au QTF, c'est-à-dire qu'il devrait être parti mais qu'il est toujours là, hein, ça s'appelle comme ça, au QTF, et non, ils n'ont pas tout ça, et puis est-ce qu'ils font de la violence et tout ? Ah, ils font de la violence, ils collent des étiquettes ou des affichettes ou des choses comme ça, et ça c'est d'une violence insupportable. En même temps, bon, on a tué un jeune Français dans une soirée au cri de raciste, contre les blancs, mais ça c'est pas grave, c'est pas de la violence, ça. Ça c'est des, on pourrait pas parler de faits de société, de faits divers, tiens, ce serait pas mal, faits divers, ça tombe bien puisqu'on est au mois de décembre. Donc on en est là dans je connaissais donc moi Ultra Braille, c'était pour les dents, pour se laver les dents, je connaissais aussi au foot les ultras du virage, là au PSG ils y sont, et ultra droite c'est nouveau, alors ça sonne bien en plus, ultra droite. Et donc, avec ça, on a trouvé la parade absolue. On s'en fout qu'il y ait eu un jeune Français de 16 ans qui se fasse assassiner par des islamistes. Ça, c'est pas grave du tout. Non, c'est pas important. Mais il y a l'ultra-droite. Là, c'est très, très dangereux, ça. Très, très dangereux. Et tout le reste, on s'en fout. Il y a un touriste allemand là, qui s'est fait massacrer à Paris dans le 15e. C'est pas grave. C'est pas grave, parce que le gars qui a fait ça, il est déséquilibré quand même. Et puis au début, il est français, hein, on vous l'a dit, il est français le gars. Français d'Iran, hein. C'est une nouvelle ville peut-être, français d'Iran. Et son nom, c'est un nom à consonance arabe, bien sûr, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas dangereux tout ça. Bon, vous direz ça à la famille du gars là qui s'est fait massacrer, mais c'est pas grave. J'ai vu aussi les images là sur ce qui s'est passé en Israël. Hein, le 17 octobre, c'est pas important quand même. Hein. Hein. Par contre, que les Israéliens bombardent les Palestiniens et cherchent les tueurs, oh là, ça c'est pas bien du tout. Hein. C'est pas bien du tout. En fait, il faut pas faire des choses comme ça. C'est pas bien. Vous comprenez, hein. Se faire tuer, agresser, massacrer, éventrer, brûler vif et tout, tuer des bébés, des enfants, des grands-mères, des grands-pères et tout ce que vous voulez, ça c'est normal, ça fait partie de ce qu'ils appellent l'ultra-gauche, hein, parce qu'il y a l'ultra-droite, il y a l'ultra-gauche, c'est ce qu'ils appellent la résistance palestinienne, hein, et ça c'est normal, c'est presque un acte classique dans la guerre, mais que les autres y veuillent, ensuite, éradiquer les gens qui leur font ça, c'est pas bien ça, c'est pas bien. Et tout le système est comme ça, tout est vérolé. Ce qui doit être blanc est devenu noir, ce qui doit être noir est devenu blanc. Et on y va, et c'est vraiment du lourd. Et tant que ça fonctionnera comme ça, on n'aura pas de soucis. Hein. Vous savez qu'à la Tour Eiffel, c'est quand même 100 agressions par jour, dénombrées par la préfecture de police. Ce sont des chiffres officiels, c'est pas moi qui les ai sortis, heureusement c'est TF1 en plus. Donc TF1, on peut les croire. Et les chiffres, ils datent. Hein. Ce n'est pas de cette année, c'est de l'année dernière. Donc, la Reine-Mère, notre drame de Paris, le sait. Darmanin le sait. Macron le sait. Les médias le savent. Mais c'est l'omerta. Vous savez, c'est un peu comme les feuilletons là, sur la mafia. Il faut se taire. Alors, on m'a dit un jour, toute vérité franchit trois étapes. D'abord, elle est ridiculisée. C'est ce qui se passe
en ce moment. Ensuite, elle subit une forte opposition, c'est ce qui va se passer. Et enfin, elle est considérée comme ayant été une évidence. Alors ça, c'est un truc formidable. Je ne sais pas qui a dit ça, parce qu'on s'en fout finalement. Mais le principe de base de la gauche, il est simple. C'est, on est dans le déni total. On avance avec son idéologie qui est complètement, pour moi, ringarde, rétrograde et tout ce qu'on veut, mais qui fonctionne toujours. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est parce que les gens ils sont dans une forme d'indifférence, de laxisme, de je ne sais quoi. Et ensuite, très important, on a le soutien total de ce qu'on appelle l'intelligentsia, les médias, Et on est tranquille, on est entre soi. J'ai vu des débats à la télé extraordinaires, quand je la regardais il y a quelques années encore, où il y avait le présentateur de gauche avec quatre personnes de gauche et qui débattaient d'un sujet. C'est-à-dire, entre eux, ils débattaient, en étant d'accord sur tout, évidemment, d'un sujet. Et c'était à l'heure de grande écoute, ça a choqué personne. J'ai entendu aucun opposant officiel au système de gauche venir nous dire « c'est scandaleux, c'est un débat truqué puisqu'il y a avec des gens du même parti ». Rien, rien, rien. Et tant qu'on aura une opposition qui sera comme ça, silencieuse sur les faits les plus importants, elle ne gagnera pas les élections. Moi, je vous le dis aujourd'hui, elle ne gagnera pas. Et que ce soit les prochaines élections nationales qui seront les plus importantes en 2027, puisqu'on aura la présidentielle et les législatives, elle ne gagnera pas cette opposition parce que les gens attendent quelque chose et eux, ils n'offrent pas ce quelque chose. C'est tout simple. Mais comme ils ne veulent pas nous écouter, ces grands leaders là, j'allais être grossier, mais je ne vais pas l'être. Ces grands leaders, ils ne veulent pas nous écouter. Ça ne les intéresse pas de savoir ce que les gens ressentent et pensent. Eux, ils sont sur leur programme, hein, avec du marketing, avec des conseillers qui sont des gens qui ne sont pas intéressants parce qu'ils ne sont pas au fait des choses comme nous. Hein, faut le savoir. Il faut être au fait des choses pour en parler. Hein. Faut les comprendre. Faut les avoir vécues même. Eux, ils sont dans leur tour d'ivoire et ils ne gagneront pas en 2027. C'est tout ce que je peux vous dire. Et on aura à nouveau une sorte de macroniste bis, hein, que ce soit Philippe ou Attal ou le maire. Hein, on a trois clients potentiels aujourd'hui. Peut-être qu'il y en aura un quatrième demain, je n'en sais rien. Mais ça ne change pas, c'est des pions. Hein, ce sont des pions sur un échiquier et on peut les bouger, les avancer, les reculer, etc. Donc voilà, on est mal. On est même très mal, et je vais vous dire, on est de plus en plus mal. Et ça, ça ne peut pas changer. Pourquoi ? Parce que, comme Soran, je ne vois rien venir. Allez, à bientôt à tous, et à la prochaine, j'espère.